Bonjour, mon nom est Turi Grugas. Je viens de Norvège. Je travaille comme éducateur de chiens depuis plusieurs années. Les chiens sont aussi la plus grande passion de ma vie et m'ont robé, parce que ce sont des animaux tellement merveilleux. Ils sont uniques. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux et nous devons aussi les respecter pour ce qu'ils sont. Alors, que sont les chiens? Ce sont des chasseurs de gibier, de bas, de pantalons, de bicyclettes et d'enfants qui courent. Ils attrapent des proies, mordent leurs jouets, leurs laisses, mais aussi de nombreux autres objets. Ils vivent en meute et pour vivre en meute, avec d'autres chiens, ils doivent avoir un système de communication pour être capables de collaborer, de coopérer, de chasser et aussi d'éviter d'entrer en conflit. Les chiens utilisent quelques signaux de menace pour écarter les autres, comme pour montrer les dents, grogner et aboyer. Mais ils utilisent en plus ce qu'on appelle les signaux d'apaisement pour préserver la paix, être gentil avec les autres, éviter les conflits et ou les interrompre. Ces signaux sont très importants pour les chiens et également pour les humains. Ils sont utilisés tout le temps et dans cette vidéo, vous allez voir comment les chiens se les communiquent et nous les communiquent. Nous apprendrons comment les utiliser pour nous faire comprendre et pour pouvoir mieux communiquer avec eux. Alors, allez-y et get on talking terms with dogs. Si deux chiens se rencontrent, des signaux commencent, quelle que soit la distance entre eux. Ces deux chiens ralentissent, s'immobilisent, reniflent, détournent leur tête, se lèchent le nez, décrivent des cercles et finalement se sentent à l'aise pour s'approcher l'un vers l'autre en évitant une confrontation frontale. Le détournement du regard peut être difficile à percevoir certaines fois, car il peut se limiter à un simple mouvement des yeux de droite à gauche. Plus souvent, c'est un mouvement de la tête facilement identifiable. Le détournement de la tête est un des signaux fréquemment utilisés par la plupart des chiens. Votre chien peut tourner sa tête d'un côté, ou la garder de ce côté, ou la bouger d'un côté à l'autre, ou juste faire un petit mouvement vers le côté. Vous pouvez voir ce signal régulièrement dans beaucoup de situations. Votre chien peut tourner sa tête s'il a l'impression que vous êtes en colère. Si vous vous penchez au-dessus de lui, si vous vous approchez trop directement vers lui, si vous prenez une photo de lui ou s'il rencontre d'autres chiens. Il y a beaucoup de situations chaque jour où vous pouvez voir ce signal d'apaisement. Un chien peut se détourner de vous si vous vous penchez sur lui pour lui caresser le dos. Retirez votre bras et caressez-le de votre côté. Il va se tourner vers vous.
If turning of the head is not enough, pour calmer un chien ou une personne, les chiens commencent par détourner la tête. Si le détournement de la tête ne suffit pas, ils se détourneront complètement. Par exemple, pour apaiser de jeunes chiens très excités, des chiens anxieux ou des chiens qui se défendent agressivement. Le bâillement est un des signaux qu'on trouve fascinant. Nous bâillons souvent si nous sommes fatigués ou si nous essayons de nous reposer. Les chiens utilisent la plupart du temps le bâillement dans un but d'apaisement. Dogs most of the time use yawning for a purpose. So it's one of the signals. C'est un des signaux que vous pouvez utiliser quand vous voulez. La prochaine fois que votre chien est inquiet ou agité à la maison, bâillez plusieurs fois et observez les résultats. Licking is one of the. Se lécher la truffe est un des signaux difficiles à voir parce qu'il est rapide. Mais si vous commencez à observer des chiens, vous allez remarquer ce petit coup de langue caractéristique. Alors, observez bien ce petit léchement. So just watch for that little licking. Quand un enfant et un chien sont proches l'un de l'autre, si le chien commence à émettre des signaux d'apaisement à cause de la présence de l'enfant, vous devez l'aider à se retirer de cette situation. Les mouvements rapides sont menaçants. Des chiens qui ne se connaissent pas marchent lentement pour rester du même côté s'ils se rencontrent. Un de ces chiens ne se sent pas en confiance. Ses poils se dressent et sa queue se lève. Les autres chiens tournent autour de lui lentement. En fond d'image, d'autres chiens courent vite, mais dès qu'ils s'approchent, ils ralentissent parce qu'ils ne comprennent que ce chien est inquiet. Dog might move slowly.
Un chien peut marcher lentement pour calmer votre attitude. L'agression de votre voix lorsque vous l'appelez ou faites des exercices avec lui. Cela n'a rien à faire avec la dominance ou la désobéissance. Mais le chien se doit de résoudre un conflit, ce qui est pour lui une priorité. Retirez votre agression et le chien n'a plus de conflit à résoudre. Pour un chien, s'asseoir, se coucher ou même rester debout dans une position figée a un effet calmant sur les autres. Il le fait pour vous calmer ou pour se calmer, et vous pouvez utiliser vous-même ces signaux pour calmer un chien. Le Golden Retriever inquiet s'assoit. Candy répond en décrivant des cercles, en marchant lentement et en tournant le dos pour lui assurer qu'elle est une gentille chienne. Dans une confrontation entre deux chiens mâles étrangers, le déplacement lent et l'immobilisation sont nécessaires pour éviter des réactions négatives et peut-être un conflit. Deux chiots sont en train de déranger un adulte comme ils le font souvent. L'adulte commence à leur apprendre à mieux se comporter en reniflant le sol jusqu'à ce qu'ils se calment et commence à renifler le sol eux aussi. L'adulte continue à renifler le sol aussi longtemps que les deux chiots
reste près de lui et le dérange. Un gentil petit boxeur et un petit berger allemand timide se rencontrent. Le boxeur aimerait absolument être son ami. Il découvre que le berger allemand essaie de le contacter dès qu'il tourne le dos. Alors, il fait exprès de se détourner. L'effet est encore plus net si, en plus, il renifle. Alors, il se met à renifler en plus de tourner le dos. Puis, il s'assoit en détournant le regard, en reniflant et en faisant de réels efforts pour devenir son ami. Il a appris quelque chose. Il a appris à utiliser des signaux pour atteindre un objectif. Candy est appelée par son propriétaire, mais d'autres chiens apparaissent et elle doit s'occuper d'eux avant de rejoindre son maître. Elle doit les calmer en reniflant, en bougeant lentement. Elle peut enfin aller vers son propriétaire après s'être occupée des autres chiens. Pour un chien, il est beaucoup plus naturel et important d'éviter un conflit que d'être obéissant. Pendant une promenade, beaucoup de chiens vont renifler le sol, faire des cercles ou marcher lentement quand ils rencontrent d'autres chiens ou des personnes. Il est important que vous le laissiez se comporter ainsi. Les chiens ne se rapprochent jamais directement les uns des autres. Nous avons vu des séquences qui montrent comment les chiens font des petits cercles ou des cercles plus grands en fonction de la situation. Comme vous ne pouvez pas attendre que d'autres maîtres fassent la même chose, vous devez le faire vous-même lors d'une rencontre. Quand votre chien n'a pas encore développé cette aptitude, vous pouvez l'aider en décrivant un cercle dès que vous rencontrez d'autres chiens ou quelque chose dont il ne doit pas se rapprocher. Les cercles peuvent être assez grands au début, mais quand le chien devient plus adroit, les cercles ne doivent pas être plus grands que celui de la séquence vidéo. Après l'entraînement, ils deviennent de plus en plus petits. La posture de jeu est un des signaux qui peut avoir plusieurs significations. Quand un chien saute d'un côté à l'autre, ce n'est qu'un jeu et rien d'autre. Mais s'il se met en posture de jeu et s'immobilise pour un moment, ou si vous voyez que ce n'est pas une situation dans laquelle le chien jouerait normalement, c'est probablement un signal d'apaisement.
Sometimes marking. De temps en temps, un chien urine pour marquer son territoire. Parfois, c'est le stress, un signal d'apaisement ou un comportement social pour faire quelque chose ensemble. Doing something together. Candy is using it often and with a calm. Candy l'utilise souvent comme un effet calmant, donc comme un signal d'apaisement. Splitting up. S'interposer est un des signaux les moins bien compris. Les chiens ne séparent pas les personnes qui se rapprochent à cause de la jalousie, mais parce qu'être si proche peut être dangereux. Ils vont aussi séparer des chiens pour éviter absolument un conflit. Ce border collie est en train de s'interposer lors d'un jeu trop turbulent. Les chiens n'aiment pas ça. Tia essaye de s'approcher par l'arrière ou par le côté, mais évidemment, jamais de front. Initialement, ce jeune collet n'a pas assez d'expérience pour s'interposer correctement, mais il essaie plusieurs fois de découvrir comment il faut faire. Finalement, il réussit à empêcher le Leonberg de déranger l'autre chien. Pendant l'entraînement, nous pratiquons la séparation en marchant entre deux chiens, en marchant entre le chien et ce qui pourrait le faire réagir, et en se mettant devant le chien. On utilise donc seulement un comportement naturel des chiens, et c'est pour cette raison qu'ils réagissent si clairement. En prétendant de faire quelque chose d'autre, comme jouer, manger, renifler, porter un bâton, s'intéresser à autre chose, les chiens peuvent calmer leur vis-à-vis. Quand une personne est un peu inquiétante, le chien peut prétendre être très occupé.
Lever la patte n'est pas un des signaux très communs, mais un comportement naturel pour le chiot qui mendie. Quelques chiens continuent à l'utiliser, comme ce chien qui lève la patte et détourne le regard à cause de la caméra vidéo. Ce chien anxieux utilise aussi un signal d'apaisement. Il remue la queue. Dans beaucoup de cas, les chiens ne remuent pas la queue parce qu'ils sont heureux, mais parce qu'ils sont énervés et excités, ou peut-être stressés et inquiets. Ce chien n'est pas heureux, mais il remue la queue. Beaucoup de problèmes se produisent avec les chiens à cause d'un manque de compréhension sur ce qu'ils veulent nous communiquer. Un des problèmes les plus communs, du moins dans mon pays, est lorsque des chiens sautent et aboient après d'autres chiens. Et je pense que c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres pays. Souvent, les gens disent qu'ils essaient de dominer les autres ou de devenir le chef. Je n'y crois pas. Les jeunes chiens sautent et aboient parce qu'ils sont juste curieux. Ils veulent se rapprocher, ils veulent voir comment est l'autre chien, car ils aiment l'accompagner. C'est normal. Pour un chien adulte qui se comporte ainsi, c'est probablement le résultat de mauvaises associations avec d'autres chiens. Et c'est un point très important, l'apprentissage par association. Quand vous allez vous promener et que vous voyez un autre chien qui se dirige vers vous, ce n'est peut-être pas approprié de laisser les chiens se rencontrer. Votre chien peut apprendre à croiser d'autres chiens, des personnes, des voitures ou n'importe quoi. Mais cela doit être enseigné d'une manière douce. Rappelez-vous que les chiens apprennent par association. Alors, si vous tirez la laisse, si vous criez quand votre chien aimerait se rapprocher d'autres chiens, il va faire l'association que les autres sont méchants, qu'ils font mal, que vous vous mettez en colère. Très vite, vous allez avoir un chien vraiment agressif ou inquiet en présence d'autres chiens. Pleasant walks with your dog is what most dog owners would like. La plupart des maîtres aimeraient bien faire des promenades agréables avec leur chien dans la forêt ou dans le parc. Marcher sans tirer la laisse, croiser des gens, des chiens et d'autres objets et passer un temps agréable ensemble. Mais parfois, les choses tournent mal. Un jeune chien peut devenir trop excité en voyant un autre chien et essayer de lui courir après. Ou bien, c'est une personne trop proche qui attire l'intérêt du chien. Tirer la laisse est désagréable pour le chien et pour le propriétaire. Vous pouvez cependant faire quelque chose.
Vous commencez par lui apprendre à vous suivre partout en tapant votre cuisse. Puis, vous utilisez cette méthode pour décrire un grand cercle autour d'un autre chien, d'une personne ou d'un objet. Ensuite, quand vous vous sentez en confiance et que le chien a vraiment compris, vous ferez un cercle de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins symbolique ou de sorte que votre chien puisse l'accepter sans s'inquiéter. Quand votre chien a un vrai problème avec d'autres chiens, vous devez commencer par une grande distance. Si grande que votre chien se sente à l'aise et ne réagisse pas. Puis, peu à peu, vous pouvez diminuer la distance. Si vous n'êtes pas certain de la réaction de votre chien, choisissez un cercle plus grand. Essayez d'éviter d'inquiéter ou d'exciter le chien. Prévoyez le succès. Quand votre chien a appris à vous suivre avec une laisse relâchée et que vous faites des cercles de plus en plus petits, vous pouvez alors vous promener n'importe où. Le langage canin est universel. Tous les chiens du monde entier peuvent l'utiliser. Toutes les races, toutes les tailles, toutes les couleurs connaissent ce langage. Quand deux chiens se rencontrent, ils émettent des signaux l'un vers l'autre. L'un peut émettre un signal et l'autre lui répondre avec un autre. Mais ils se comprennent. Ces signaux font partie de leur patrimoine génétique. Ils sont nés avec eux et les chiots peuvent utiliser les signaux d'apaisement dès leur naissance. Le premier signal est le bâillement. C'est à peu près tout ce qu'ils peuvent exprimer. Puis, pas à pas, ils développent leur répertoire et à l'âge de 6, 7 ou 8 semaines, ils sont venus des experts. Ils peuvent se calmer en utilisant beaucoup de signaux à cet âge. Quand ils ont la possibilité de développer ce langage avec d'autres chiens, ils deviendront très adroits lorsqu'ils seront adultes. Ils pourront résoudre des conflits en étant capables d'utiliser les signaux et ils n'auront jamais de problème avec d'autres chiens. Regardez la scène suivante dans laquelle un chiot rencontre un adulte et voyez comment ils communiquent en utilisant beaucoup de signaux différents et comment ils deviennent amis.
La chose la plus importante que vous puissiez faire pour votre chiot, c'est de le laisser rencontrer d'autres chiots, se promener ensemble, se rencontrer, jouer et développer des capacités sociales qui seront si importantes lorsque le chiot deviendra adulte. Laissez votre chiot rencontrer d'autres chiots et des adultes gentils de toute race, couleur et taille. C'est la meilleure éducation qu'ils puissent recevoir. Quand vous rencontrez des chiens, quand vous les entraînez ou les soignez, vous avez toujours le choix dans votre comportement. Quand un chien émet vers vous le plus petit signe d'inquiétude, de peur ou de malaise, vous avez toujours le choix. Vous pouvez changer de position, vous pouvez faire quelque chose pour que le chien se sente à l'aise. Vous pouvez changer d'une position penchée en avant à une position droite. Vous pouvez détourner votre regard au lieu de le regarder dans les yeux. Quand vous êtes face à face, vous pouvez vous détourner un petit peu et le chien va comprendre ces changements dans votre comportement. Au lieu d'être menaçant pour le chien, vous pouvez être gentil et le chien va le comprendre. Les chiens sont des animaux visuels. Ils voient très bien les petits changements dans votre comportement et ils vont se comporter conformément. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix. Dans n'importe quelle situation, vous pouvez toujours changer un petit peu. Observez bien ce que le chien est en train de vous dire et comportez-vous en conséquence. Tourner le dos à un chien a un effet calmant, qu'il soit excité, anxieux ou méchant. Si un chien a peur d'une personne et si cette personne est menaçante en se penchant au-dessus de lui, ou en le regardant directement, il peut en résulter une réaction de défense du chien. En vous détournant et en restant immobile, vous allez noter une attitude complètement différente du chien. Quand un chien ne veut pas se rapprocher de vous, ne le forcez pas. Laissez-le faire le premier pas. Restez passif et attendez qu'il prenne contact. Être soulevé pose un problème pour quelques chiens. Un chien aime bien être sur vos genoux, même s'il peut être trop proche de vous. Alors, vous allez toujours voir quelques signaux d'apaisement dans cette situation. Se détourner, parfois se lécher le nez ou peut-être bâiller. Ce chien a l'air de se sentir à l'aise, mais il détourne quand même son regard. Ne l'embrassez pas et ne le serrez pas trop fort quand il vous dit qu'il ne se sent pas à l'aise. N'aggravez pas la situation. Le grognement est, dans la plupart des cas, une réaction à cause d'une incertitude ou d'une peur. Quand un chien grogne, changez de position ou émettez des signaux d'apaisement pour le calmer, et il va vous répondre. Quand un chien grogne, c'est normalement pour une bonne raison, mais cela n'a rien à faire avec une volonté de dominer. En général, c'est à cause d'une peur. Bending.
Si vous vous penchez vers un chien, vous le poussez à vous contourner au lieu de s'approcher directement vers vous. Le chien se met à renifler le sol en prétendant que vous n'êtes pas là, pour vous pousser à adapter votre comportement. Si vous vous penchez au-dessus du chien, ou si pire encore, vous le caressez rudement, vous le poussez à se détourner et peut-être à émettre des signaux d'apaisement, comme se lécher la truffe ou bâiller, pour vous dire que cela suffit. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour calmer un chien, et cette femme nous montre quelques exemples. Détourner la tête, bâiller et se détourner complètement. Dès que vous tirez la laisse, vous provoquez du stress et en réaction, le chien aboie et saute sur ce qu'il voit. Si vous menacez un chien en vous penchant au-dessus de lui, en le caressant d'en haut, il va vous répondre en essayant de vous calmer, en adoptant une posture de jeu, patte en avant, ou en se détournant. Quand vous utilisez le langage du chien en faisant des cercles, en se rapprochant par le côté, en le caressant sur le côté, le chien va se sentir beaucoup mieux et sa tenue et ses sentiments vont changer. Vous avez vu comment les chiens utilisent les signaux d'apaisement pour résoudre des conflits et pour être sociables. Allez et observez des chiens. Observez votre propre chien et d'autres chiens dans toutes sortes de situations. Apprenez et développez vos propres compétences. C'est le meilleur apprentissage. Et vous verrez que la prochaine fois qu'un chien vous dit quelque chose, vous allez pouvoir réagir. Something.